Yo, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Écoutez, on continue sur la bonne voie pour le top 1, si possible un jour. Je n'y crois pas, mais on sait jamais. Le top 1, notre avancée sur Exodus Extinction. Voilà, donc la dernière vidéo, j'étais 39e. Il faut savoir que je l'ai tournée il y a quelques instants. Et du coup, je suis rentré chez moi, je me suis dit, hey, tu sais quoi, viens, je vais essayer de faire mieux. Et ça n'a pas été très dur parce que ce matin, je me suis lancé le défi alors que j'avais la tête dans le cirage. Donc voilà, en vrai, viser le top 10, ça serait sympa. Donc attendez, on va pas perdre notre temps. Donc là, je lance directement Extinction, hein, Exodus directement. Oula. Donc, voilà, j'étais un peu en colère, il faut le dire. Parce que juste avant, j'avais une bonne game et tout. Et pareil, j'ai perdu sur de la merde. Là, pareil, hein, je vais perdre comme un gros con. Mais du coup, bah attention, spoiler, je passe 19e. Voilà, avec un score de plus de 2 millions. N'oubliez pas que le dernier score qu'on avait fait, c'était 1 600 000, je crois. Donc là, j'ai changé quelque chose par rapport à ça. En fait, il y a une des touches de ma souris qui me permet d'activer, vous savez, les bonus qui sont en niveau 2, là. Donc ceux qui sont au-dessus, donc les spécialistes de classe. J'ai fait ça parce que le problème, c'est que spécialiste de classe, c'est beaucoup trop fort. Et c'était trop galère à activer avec le clavier. J'ai même essayé de mettre la touche du... La touche du quoi? Du gel sur une touche spéciale, mais j'ai pas réussi, donc bon, c'est pas bien grave. Faire des cas, j'ai juste à spam. Mais voilà, là, hop. Donc, j'ai même plus besoin de toucher à une touche de mon clavier. Donc là, on commence, hein, comme d'habitude, le petit start. Là, en plus, grâce à ça, on n'a pas à recharger. Donc ça me permet de faire, voilà, en plus, double élimination directe. Donc là, dans cette game-là, ce qui va vraiment me tirer vers le haut, c'est la zone des pièges. En fait, la zone des pièges, elle c'est beaucoup trop cheatée. Je m'en rendais pas compte, mais en vrai, c'est vraiment cheaté. Les unités aériennes, elles se font déglinguer, mais comme pas possible, alors que genre c'est des sacs à PV à la base. En plus de ça, bah, tout le monde prend cher, hein. Si c'est pas les unités aériennes, crois-moi, les chasseurs, les tanks, tout le monde y prend. Et vraiment, c'est pour ça que je vais rester beaucoup au niveau des... Au niveau des... Comment ça s'appelle? Au niveau, bah, des... Au niveau des pièges, là je vais me diriger justement. Donc au passage, j'ai même réussi grâce au mode KO à passer. Tu vois, regardez, hop. Voilà, le chasseur direct. Je sais même pas où est le piège Tesla, mais en tout cas, tout le monde prend cher. C'est vraiment cheaté sur cette map, il faut le dire. J'ai pas testé, je crois, dès qu'il y a des tanks ou des mammouths, de me diriger dans une zone comme ça. Mais franchement, je crois que ce serait le meilleur à faire. Tu viens avec un mammouth. T'actives, tu sais, la protection là, hein, tout simplement. Franchement, je sais pas c'est quoi cette réflexion qu'ils ont les bots là, aller directement vers là où j'étais, mais pas là où je suis. Ça se trouve, c'est peut-être au début que c'est comme ça. Donc voilà, et en plus, cette zone-là, je te parle même pas, hein. Autant t'as le piège électrique qui fait ça, après tu prends le bulldog, tu fais des doubles éliminations, regardez, hein, ça se suit. Double élimination, élimination chasseur, hop. Voilà, le petit piège que t'actives, juste. Voilà, en plus, des doubles éliminations, hein, tous les dégâts, regardez, ce piège-là, pareil. Hein. En plus, là, t'as juste à prendre le casse-tête, donc c'est un petit lance-grenade. Franchement, c'est tout bénef. Le temps qu'ils arrivent, les autres, tu peux les spawn trap carrément. Hein. Je sais plus comment il s'appelle ce fusil là. Ouais, bref. En tout cas, il est semi-automatique. Il est super fort. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc là, je crois que j'avais regardé le score quand même. Je m'étais dit 200 000. Ça va, c'est déjà bien. Je crois que j'étais à plus de 500 000 la dernière fois. Là, je vois qu'il y a la petite amélioration qui peut toujours faire plaisir. Hein. Ça permet notamment d'améliorer le drone. Croyez-moi, un drone un petit peu plus fort, ça fait toujours du bien. Hein. Surtout, ça améliore la visée, en fait, tout simplement. Vous voyez, la triple élimination, ça fait des points, ça fait des points. Donc là, on est à 500 000 déjà. C'est bien, mais bon, on a fait mieux. Vous connaissez les bails. Ah, la batteuse, hein, la batteuse que j'aime pas du tout dans ce mode de jeu. Elle est vraiment trop grosse.
Toujours bien d'avoir le drone devant soi, hein, comme ça au moins tu sais quand il disparaît. En vrai, le drone niveau 2 est très très bien. Le désavantage qu'on peut avoir avec le drone niveau 3, c'est que du coup on peut moins dépenser d'argent, parce que des fois ça sauve, hein, d'activer un drone. Comment ça s'appelle? Le Reaper. Le Reaper qui est tellement fort, putain. Le mode mitraillette. Voilà, le fantôme qui meurt. Ça fait toujours plaisir. Là, hop, je me replie où? Hop, un petit coup de lance-grenade. Ça fait plaisir. Donc le problème, hein, quand on est trop efficace, c'est que bah, y a pas assez de mobs. Donc là, faut vraiment opti. Voilà, une petite méga élimination, je veux dire. Enfin, méga évolution, j'allais dire. Une petite méga, hop. Vous voyez, là, j'essaye d'optimiser. Hop, voilà, on prend le truc. Ah, j'avais peur que ça prenne pas, parce que des fois, avec ça, hop, t'es pas sûr que tout prenne. Hop. Le petit drone, tu vois, là, par exemple, qui vient de nous sauver. J'ai activé par erreur ce bonus. Non, j'ai pas activé par erreur. C'est parce que je crois que j'avais pas trop d'HP. Donc, malheureusement, en fait, j'ai caché la barre des HP. Mais en vrai, bon, voilà, la barre des HP, elle se régène doucement quand même, il faut le dire. Hop, là, j'en profite. Hop, nouvelle arme récupérée, ça fait 50 points en plus. Voilà, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, bien prendre les armes. Et voir là, là aussi, ouais, nouvelle arme, donc ça fait 50 points de plus. Toujours bien à prendre. Là, je reviens ici, je fais, ah tiens, il n'y a pas de piège. Bim, piège. On est déjà à 1 200 000. Hein. Et là, en général, les pièges comme ça, bim, méga évolution, élimination, excusez-moi. Ouais, là, de toute façon, j'ai vu que j'allais tomber. Heureusement, le piège tue un mob. Ça me permet, voilà, d'activer ça. Là, je prends un... Hop. Là, pareil, j'ai encore peur parce que, bah, ils sont... C'est des bâtards, hein. Ils ont juste à piéger. Là, heureusement, il y avait plein de mobs parce que j'aurais pu perdre, hein. Là, je me suis dit, attends, vas-y, balance le roquette dans le vent, parce que sinon, tu vas pas pouvoir prendre d'armes. Même si, voilà, hop. Là, je prends ça, et là, je me dis quoi? Je me dis, vas-y, écoute, ça fait chier, tu peux pas faire de kill quand ils sont pas là. Bah, c'est pas grave, on change d'arme. Donc là, ça fait mal. Ah, ils font très très mal. Là, hop, une petite... Alors, élimination en plus... De prendre le pouvoir sur le mob, ça compte comme une double élimination, je crois. Voilà, et là je suis déjà à 1 700 000, et c'est là que je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, eh, mais attends, c'est quoi? Je vais essayer de survivre. Donc là, hop, je prends tout ce que je peux prendre. Voilà, là je me dis, est-ce que je peux prendre ça? Non, je peux pas. C'est pas grave, je me dis, oh putain, j'ai plus de points de vie, je vais être dans la merde et tout. Fais gaffe, hop, là je me dis, vas-y. On bourrine. Je sais pas ce que je viens de tuer, mais j'ai tué quelque chose. On active le petit piège. Là, je suis à plus de 513 hein, combo. Et c'est là que je perds le combo. Et là, ça me fait chier. Et là, du coup, je prends ça pour terminer. Vite, 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 vite. Hop, on active ça. Hop, hop. Trop tard. Et là, on meurt. Allez, tire, tire. Putain, dommage. Et là, on est à 2 016 000 points. Non, 2 millions... Ouais, 16 000 points. Et là, du coup, on va atteindre, vous verrez le classement, même si tout est spoil. Je suis obligé, hein. Mais du coup, on est mort. On est mort de manière bête, hein. Mais au bout d'un moment, tu peux pas non plus être infini. Mais c'est vrai qu'en vrai... Chaque élimination, ça allait nous rapporter tellement de points. Et là, hop, je vérifie. Mode KO, Exodus. Exodus solo. Hop. Et là, 19e mondial. Let's go. Let's go. Voilà, comme je le dis, let's go. Voilà, j'espère que bah, la vidéo vous plaira. Voilà, elle est simple, efficace, courte. Mais voilà, ça me fait plaisir hein, de vous partager un petit peu mon record, donc la vidéo sortira quand même, voilà, parce que voilà, en termes de crédibilité, je gagne un petit peu plus de points, mais ça me fait plaisir voilà, de vous partager un petit peu, comme je vous ai dit, ma passion pour ce mode de jeu qui est grave cool en vrai, c'est grave, il faut être grave actif et tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, un dislike, à vous abonner, à laisser un commentaire, et surtout à vous abonner s'il vous plaît, par pitié, abonnez-vous. Voilà, moi je vous dis tchuss les gens, et puis voilà, let's go, hein. Tchuss.